On va parler maintenant de la cohérence cardiaque. C'est quelque chose qui va largement participer à abaisser ton niveau de stress, à calmer ton corps et à l'aider encore une fois à perdre encore plus vite. Je vais te demander encore une fois de sacraliser cette séance et d'essayer d'en faire une habitude. On l'a prescrit à beaucoup de monde et aux sportifs de haut niveau, aux gens malades, aux gens qui veulent perdre du poids. C'est très bien de le faire au moment de s'endormir parce que ça te permet de dormir, de t'endormir notamment super bien. De le faire au réveil, c'est un régal pour attaquer la journée en mode relax. Et c'est très bien aussi de le faire en pleine journée. Par exemple, entre midi et deux, juste après manger. Le top, c'est de le faire 3 fois par jour. Ça peut être compliqué de trouver le temps, mais ces 5 minutes que tu te consacres, dis-toi que tu les récupères forcément dans ton efficacité, au travail ou sur tes séances de muscu et de sport en général. Voilà, donc je vais te montrer comment ça se passe. Donc, tu vois sur l'écran la bulle, elle va monter et descendre. Je suis censé faire la même chose avec mon nombril. Quand la bulle monte, j'inspire. Quand la bulle descend, je souffle. Je parle de nombril parce qu'on va essayer de respirer d'avoir une respiration abdominale et non une respiration au niveau des poumons. Bon, tu l'as compris, rien de compliqué là-dedans, mais des effets exceptionnels. Pour une meilleure efficacité, tu vas fermer tes yeux et te concentrer uniquement sur la respiration. Donc tu vas me dire, mais si je ferme les yeux, je vois plus la bulle. Mais tu as bien entendu que la bulle, à chaque fois qu'elle arrive en haut et qu'elle arrive en bas, ça fait ding. Donc toi, tu te cales là-dessus. J'inspire, ding, je souffle. Ding, j'inspire. Voilà. Dernière chose, tu vas essayer, tu vas voir que c'est pas si évident au départ. Tu vas avoir l'impression des fois que c'est très très long et des fois au contraire que c'est trop court. Et ce qui l'effet recherché, c'est d'arriver à lisser son rythme cardiaque en lissant la respiration. Donc voilà, je t'ai déjà donné quelques explications, tu en trouveras beaucoup plus sur Internet. Mais ce que je voulais te dire, c'est que pour y arriver, le top, c'est d'arriver à soigner tes transitions. Quelqu'un de stressé, il y a zéro transition. C'est du grand n'importe quoi, c'est chaotique. Nous, on va essayer de faire. Voilà. Je te souhaite bonne séance et j'espère que tu vas prendre goût à ça parce que je te promets que c'est le top pour les problèmes qu'on veut régler. Bonne séance.